Bonjour, je m'appelle Aurélia Khalifa, j'ai 37 ans, j'ai travaillé pendant 13 ans dans les ventes internationales de films et de séries, et il y a 4 ans, j'ai décidé de tout quitter pour mener une vie juive dans les valeurs de la Torah, et ça a été le début d'un grand voyage, une grande histoire d'amour qui dure encore aujourd'hui avec mon peuple et avec mon créateur, avec Dieu. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. La chance de grandir dans une famille absolument merveilleuse qui m'a inculqué beaucoup de valeurs, de très très belles choses. Mais on était ce qu'on appelle traditionnaliste, c'est-à-dire qu'on était fiers d'être juifs, on faisait les grandes fêtes, mais on n'était pas pratiquants, et tout simplement parce qu'on ne savait pas. J'étais dans des écoles laïques, donc j'ai eu une éducation très républicaine, on va dire, dans la culture française. Après un bac ES, j'ai fait une hippocagne, une prépa littéraire, parce que j'adorais la littérature, la philosophie. En fait, je me suis beaucoup posé des questions existentielles sur la vie, sur le sens de la vie. Ça a vraiment été le fil conducteur de toute mon existence depuis le plus jeune âge. Donc, j'ai fait cette prépa-là. Après, j'ai fait une année à la fac en langue étrangère appliquée, une école de commerce et un master de production audiovisuelle. Et comme j'étais une grande rêveuse, une grande passionnée par l'art de façon générale et plus particulièrement par le cinéma, après ce master-là, j'ai très vite commencé à travailler, donc j'avais 21 ans, dans les ventes internationales de films, c'est-à-dire que je vendais les droits de films français à l'international. Donc c'est un métier qui m'a passionnée, j'ai beaucoup voyagé, je négociais avec des chaînes télé, des plateformes digitales, avec des distributeurs cinéma. Et voilà, j'ai fait ça pendant 13 ans, dont 9 ans chez TF1. J'étais assez carriériste dans le sens où j'avais envie d'évoluer, j'avais envie de grandir et de gravir les échelons. À 20 ans, la première fois que je suis partie en Israël, ça a été un bouleversement total. Et je pense que ça a été la première connexion avec mon identité juive. Le fait d'arriver dans ce pays, de voir autant de juifs, de cultures très différentes. Et là, il y a quelque chose qui s'est enclenché, quelque chose qui a commencé à vibrer. C'est après que j'ai compris que c'était cette notion de Neshama qui se sentait à la maison. Mais en tout cas, j'ai été très bouleversée, je me rappelle. J'ai même tenu un petit carnet à l'époque où j'écrivais ce que je ressentais. Jérusalem, ça a été le point culminant. Et j'ai jamais ressenti ça de ma vie. Et puis après, j'ai continué à ma vie de voilà, jeune française, pas pratiquante du tout, toujours attachée à Israël. Mais disons que la pratique, c'était vraiment quelque chose de différent et j'étais pas dans la communauté non plus. Le point de départ, ça a été vraiment mon frère, qui est un être merveilleux et qui a commencé lui à faire tchouva, donc c'est mon plus jeune frère. Et du coup, on a commencé à parler, on a commencé à échanger. J'ai commencé à ouvrir un petit peu mon esprit, à revoir un peu mes préjugés. Et puis, je dois beaucoup à l'étude parce que c'est vraiment parce qu'intellectuellement, je commençais à comprendre des choses et qu'elles commençaient à m'éclairer, sachant que je me suis toujours posé beaucoup de questions existentielles sur le sens de la vie, qui suis-je, pourquoi souffre-t-on, d'où vient le mal. Et c'est des questions auxquelles la philosophie, qui me passionnait à l'époque, la psychologie ou bien les sagesses d'ailleurs, ne répondait pas forcément. En tout cas, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas suffisant, on va dire. Donc j'ai commencé à m'intéresser, du coup, à nos textes. J'ai eu beaucoup de discussions avec mon frère. J'ai pris conscience aussi du fait que j'avais de la gava, de l'orgueil, et que c'était peut-être ça qui m'empêchait d'avancer. Ça, c'était une vraie leçon de vie, dans le sens où, pour moi, tout commence avec l'humilité. L'humilité de remettre en question ce en quoi on croyait, ce qu'on a été. C'est très, très important. Et ça fait partie intégrante aussi de mon parcours de tchouva. Et puis, un jour, je suis retournée en Israël et mon frère m'a dit, écoute, va dans la famille de mon rav qui vit à Jérusalem, famille bien sûr orthodoxe. Et puis, j'ai fait un Shabbat plein là-bas et ça a été un bouleversement total. Moi, j'avais jamais fait un Shabbat plein, ce qu'on appelle un Shabbat plein, donc sans le portable, sans l'électricité. Bien évidemment, je me suis adaptée et je l'ai fait. Et déjà, cette ambiance, je m'en rappelle, je me suis dit, j'aimerais que ce soit ça, en fait, ma vie et l'ambiance dans ma famille, dans mon foyer. C'était beau, il y avait quelque chose de pur, il y avait beaucoup de respect. Je ne sais pas comment le dire, mais à l'époque, c'est ça, c'était une sensation vraiment belle. J'ai beaucoup, beaucoup parlé, échangé avec la femme de Strav, qui est devenue une amie, une femme extraordinaire. Et on a parlé. Et c'était marrant parce que c'était deux mondes qui se rencontraient, finalement. Moi, n'étant pas du tout religieuse pratiquante, mais très spirituelle quand même. Et puis j'ai pris conscience en fait que, voilà, de la beauté de la Torah, de ce que c'était que d'être juive. Et tout ça a cheminé. Et le lendemain,
Donc j'étais à Jérusalem, je suis allée au Kotel. Et vous savez, moi, je n'osais pas m'approcher. C'est un peu bête peut-être, mais je n'osais pas m'approcher du mur, des pierres, parce que je me sentais illégitime. Comme je n'étais pas pratiquante, je ne lisais pas l'hébreu, enfin rien. Et du coup, je n'osais pas. J'avais comme une espèce de distanciation. Et ce jour-là, je me suis rapprochée. J'ai mis mes mains sur les pierres. J'en ai des frissons rien que de vous en parler. Et j'ai commencé à pleurer. Je pense que ça a été le vrai début de ma connexion avec Hachem. C'est-à-dire que j'ai compris que j'étais une femme juive, une Bat Israël. J'ai compris que j'étais aussi légitime que toutes les autres. J'ai compris que, en fait, ce vide que j'avais ressenti pendant très longtemps, un vide, une espèce de solitude, alors que j'ai toujours été très bien entourée, que ma vie était super, sur beaucoup d'aspects. En fait, ce vide, c'était pas un vide intellectuel, c'était un vide spirituel. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais laissé complètement ma neshama s'assoiffer elle était en souffrance en fait. C'est là que j'ai commencé à comprendre que tout venait de l'intérieur et que c'était un niveau spirituel. Et ça a été le début d'un grand voyage, une grande histoire d'amour qui dure encore aujourd'hui avec mon peuple. Et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'on a un peuple absolument merveilleux. Et avec mon créateur, avec Dieu. Donc après, je suis rentrée en France et j'ai voulu importer le Shabbat, comme j'aimais le dire à l'époque. C'est-à-dire, je me suis dit, il faut que je le fasse. Même si voilà, ma vie, elle n'est pas comme à Jérusalem, que ce n'est pas la même ambiance, j'ai voulu commencer à le faire. Encore une fois, mon frère m'a beaucoup aidée. Mes parents ont suivi, Baruch Hashem. Donc voilà, et petit à petit, ça s'est fait, l'étude. J'ai commencé à aller à des cours de Torah, à beaucoup lire, à écouter des cours, même quand j'étais en voyage à l'autre bout du monde. Écouter des cours de Torah, ça me faisait du bien. Et j'ai commencé à me nourrir. À un moment donné, j'ai commencé à ressentir ce paradoxe et cette espèce de tension interne entre ce que j'étais en train de devenir, ce que j'avais envie de devenir, bien évidemment dans le chemin du judaïsme et puis aussi de la halakha, parce que moi, je ne mangeais pas kasher, je n'étais pas shomeret negev, enfin, tout ça, déjà, je ne savais pas ce que c'était, mais quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était, c'était très, très, très compliqué de l'allier avec mon travail. Et puis, j'étais dans un milieu... dans le milieu du cinéma, c'est quand même un milieu assez superficiel et qui devenait de plus en plus en contradiction avec ce que je devenais. Ce qui était très, 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 très dur et douloureux pour moi, c'était qu'on m'enlève les Shabbats. C'était... parce que moi, tout avait commencé avec ça. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es chômeur à Shabbat, tu as commencé à le prendre sur toi. Et puis par contre, quand tu es en déplacement à Cannes, à Los Angeles, à Toronto, tu le fais pas, tu n'as pas tes Yom Tov. Des fois, ça tombait pendant des fêtes. C'était surtout à ce niveau-là, parce que la cache-route à l'époque, j'étais pas aussi sensibilisée, mais c'était vraiment ces moments-là où j'avais qu'une envie, c'était d'être en famille, c'était d'être dans mon foyer et de faire ces fêtes. Et je pouvais pas. Et ça a été très dur et une vraie souffrance graduelle, on va dire. Et le point de non-retour, ça a été au Festival de Cannes en 2019. Donc moi, j'avais avancé, je commençais à m'habiller de tzniout et j'ai dû profaner mon Shabbat. Et ça a été quelque chose de terrible. C'est-à-dire que j'ai vraiment ressenti au plus profond de moi-même cette notion de profanation, de quelque chose de saint, aussi saint que le Shabbat. Donc j'avais j'avais fait mon petit Shabbat, j'étais toute seule, dans mon appartement. J'avais pris un livre de Moussard, j'avais fait mon kiddush, etc. Et puis... à un moment donné, il a fallu que je rallume mes portables, mes deux portables, que je regarde si j'avais reçu des offres. Et le lendemain, j'ai travaillé et j'étais comme complètement dissociée parce que je savais qu'il n'y avait pas de gdoucha dans ce que j'étais en train de faire. Je savais que je profanais quelque chose qui était extrêmement cher à mes yeux. Je savais que tous mes deals, ils n'avaient aucune valeur parce qu'en fait, je n'étais pas du tout alignée avec ce que j'étais devenue, quoi. Et aussi douloureux que ça avait pu être, je pense que cette prise de conscience, elle a été essentielle pour comprendre qu'à partir de maintenant, je ne ferai plus de concessions. Et du coup, cette même année, à la fin de l'année, donc 2019, j'ai quitté TF1 en très bons termes. J'ai quand même négocié pour faire mon Shabbat à Los Angeles, au dernier marché du film que j'ai fait. Donc j'étais dans un bête rabat, c'était super. Et quand j'ai quitté TF1, c'est vrai que c'est comme si j'avais tourné une page de quelque chose que j'avais construit avec beaucoup d'investissement, avec beaucoup de convictions, mais qui faisait plus partie de ma vie. Et le premier Shabbat que j'ai pu passer une fois avoir quitté TF1, j'en ai pleuré parce que je me suis dit, ça y est, maintenant tu vas pouvoir être libre, tu vas pouvoir faire ce que tu as envie de faire, être ce que tu as envie d'être. Je savais pas encore ce que ça allait être, ma vie, mais en tout cas, j'étais libre.
Et je me suis dit, maintenant, tu vas pouvoir recommencer quelque chose de grand, parce que c'est quelque chose qui est dans la vérité. Et la vérité, c'est une des valeurs qui m'est le plus chère au monde, le Emet en hébreu. Et du coup, pour moi, c'était un sentiment de paix. On parle beaucoup de shalom, c'était vraiment ça. Quand j'ai compris qu'on avait une Neshama Elokit, une partie d'Hachem en nous, ça a énormément résonné, parce que je me suis dit, t'imagines, tu t'es privé de ça pendant toute ta vie, pratiquement. Même si c'est dur de tout recommencer, même si ça va être des gros changements, mais j'ai pas eu peur parce que j'ai été portée. Vous savez, c'est quand on parle d'être portée par Hachem, j'avais l'impression d'être portée. À partir du moment où j'étais collée à Hachem, et souvent quand je lui parle, je dis, je vais être collée à toi. Je me sens portée, et du coup, voilà, je me suis dit, ça ira, t'inquiète pas, ça ira. Tant que tu gardes le lien, tant que tu gardes la connexion, tout ira bien. J'ai quitté TF1 fin 2019 et j'ai eu la chance de faire un voyage à Oman. Quand j'étais notamment sur la tombe de le Kever de Rabbi Nachman, j'ai beaucoup pleuré. J'ai fait mon tikkun haklali à mon rythme parce que voilà, je savais lire l'hébreu, mais pas aussi rapidement que maintenant. Et ça a été comme un espèce de migvé pour mon âme, dans le sens où j'ai pleuré, j'ai demandé pardon. J'ai dit, voilà, Hachem, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Je ne rentrerai pas dans de la culpabilité parce que ça n'existe pas chez nous, et j'insiste là-dessus. Il n'y a pas de poids de la culpabilité, mais je sais la vie que j'ai eue, parce que je ne savais pas en fait qu'il y avait la Torah et tout ça, c'était vraiment de la méconnaissance. Donc, sans me juger, mais pardonne-moi quand même. Je t'en supplie, pardonne-moi. Et je ne sais pas, à partir de ce moment-là, il y a eu un avant et un après. Je suis sortie beaucoup plus légère, beaucoup plus en paix. Et puis, lors de ce voyage, j'ai fait la connaissance de plusieurs femmes merveilleuses, et une en particulier avec qui, voilà, j'ai sympathisé. Je lui ai parlé du fait que j'étais célibataire, en recherche, parce que du coup, là, j'avais commencé les shidurim, parce que j'avais appris que ça passait par des shidurim, et c'est d'ailleurs la façon la meilleure, bien évidemment, pour rencontrer son zivou, qu'aujourd'hui, j'en suis convaincue. Et puis, bon, on rentre en France, le Covid arrive, donc voilà. Je ne peux plus partir en Israël, les frontières sont fermées. Et puis un jour, cette femme m'appelle et elle me dit, écoute, est-ce que tu es toujours célibataire? C'était le cas. Parce que voilà, il y a un garçon, un ami à mon fils, qui est français aussi, franco-israélien, qui a le même parcours que toi, qui est en ce moment à la Yeshiva, à Jérusalem. Et bon, je me suis dit que ça pourrait matcher, voilà, en termes de valeur, de parcours. J'ai dit, écoute, pourquoi pas? Et on a commencé à se parler, à s'appeler, on ne s'est même pas vu par FaceTime. Et on a commencé à faire notre chidour à distance parce qu'on n'avait pas le choix, en fait. On ne pouvait pas se voir. Et en fait, je pense qu'on a vraiment commencé à s'éprendre l'un de l'autre par l'amour de la Torah. C'est-à-dire que lui me racontait ce qu'il étudiait, ce qu'il faisait. Bien sûr, on se parlait de nos parcours respectifs, mais c'est vraiment aussi beaucoup ce qui nous a fait connecter. Et puis, bon, un bon jour, les frontières se sont réouvertes, donc on s'est rencontrés, forcément. Lui est venu en France. On a fait le shidour en présentiel. Et ça a confirmé, voilà, tout ce qu'on avait pu ressentir, tout ce qu'on avait pu se dire à distance. Et on s'est mariés quelques mois plus tard, pendant le Covid. J'ai beaucoup pleuré de mon célibat. Alors, je faisais Yidbo des doutes. Donc j'ai beaucoup demandé à Hachem, mais en même temps j'ai appris à le remercier d'être célibataire. Et vraiment, le jour de ma roupa, quand j'ai vu cet homme, quand j'ai vu mon mari, parce que je savais le potentiel qui était en lui, je le sentais, en fait j'ai compris pourquoi j'avais remercié Hachem quelques mois plus tôt, peut-être quelques années plus tôt. J'avais remercié Hachem d'être célibataire. Et quand je l'ai vu, je me suis vraiment rendu compte que mais heureusement que j'ai été célibataire pendant toutes ces années, parce qu'il fallait que ce soit ce moment-là. Il fallait que j'attende ce moment-là, d'arrêter mon travail, de prendre sur moi la cache-route, parce que pour moi, c'était très dur de la prendre. C'était la chose la plus dure, je pense. La tzniout, devenir shomeret negia. Il fallait que j'élève le niveau pour être à la hauteur de la proposition de Zivou qui était en face de moi. Mais j'ai vraiment compris qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on comprend et beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. On n'est pas dans les comptes de Dieu. Et cette notion de « tout est pour le bien et Dieu nous aime d'un amour incommensurable », quand on la vit vraiment, on la comprend et c'est quelque chose de bouleversant, parce que c'est vrai, en fait. Et c'est pas juste quelque chose qu'on se dit pour se rassurer, pour se faire du bien. C'est vrai. Après mon mariage, je me suis dit, professionnellement, qu'est-ce que je peux faire, sachant que je voulais pas retourner dans le secteur du cinéma.
Et en fait, moi, j'ai toujours adoré écouter les gens. J'ai toujours aimé voir la lumière qui était en eux, parce que chaque personne a une lumière énorme. Malheureusement, on s'en rend pas forcément compte. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser au coaching. Je me suis formée au coaching professionnel. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir immense, parce que c'est même une chance, de pouvoir accompagner essentiellement des femmes qui veulent se reconvertir, qui veulent retrouver du sens dans leur travail, qui veulent se lancer dans un projet entrepreneurial. J'ai appelé ma structure Anava Coaching, et c'est pas un hasard, parce que bien évidemment, ce que je fais aujourd'hui, je le lie à mon parcours à moi. Anava, parce que tout commence par ça. Vraiment, travaille sur ton humilité pour pouvoir rester ouvert à l'autre, ouvert à toi-même, pour pouvoir grandir. Et du coup, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accompagner des femmes, de faire des conférences, je fais aussi l'hypnose. Et en fait, c'est très, très lié aussi à ma prise de conscience spirituelle, dans le sens où si HM nous a mis sur cette terre avec des potentiels, c'est pour qu'on les exploite, pour qu'on les mette en lumière et pour qu'on révèle justement cette partie divine qui est en nous, se connecter avec sa Neshama Elokit et donc avec HM. D'entretenir cette relation comme on l'entretient avec son conjoint, de lui parler, de lui demander, de le remercier, de le louer. J'insiste sur le fait de lui parler parce que moi, ça a changé ma vie de commencer à faire Igbo des doutes, de commencer à lui parler. Ça a créé un lien et du coup, il est tout le temps là. La plus grande difficulté quand on change de vie, c'est vraiment de sortir de cette zone de confort dont on parle beaucoup en ce moment. Et c'est l'émotion de la peur qui revient. J'ai peur que ça se passe mal, j'ai peur de ne pas gagner ma vie, j'ai peur d'avoir fait une bêtise, j'ai peur. Et ce que je dis souvent à mes coachés, c'est quand on a peur, c'est important de se rassurer. Ne jamais oublier pourquoi j'ai fait la chose. Et moi, c'est vrai que des fois, quand je me remets en question, quand j'ai peur de ne pas avancer comme je le souhaiterais, etc., je me dis n'oublie pas la raison, le pourquoi. Pourquoi tu as pris cette décision? Tu l'as fait par amour pour HM, tu l'as fait par amour pour lui. Donc cet amour-là, ne le dilue pas, ne l'oublie jamais, parce que tu t'es convaincu intimement qu'il est là pour te protéger, pour t'aider, que tout ira bien parce qu'il t'aime, et ça, t'en as eu la preuve, c'est ça que je me dis. Continue à étudier, à essayer de comprendre au maximum, à vous rapprocher de cette Torah de vie qui est un code de vie, mais apprenez aussi, et je me parle aussi à moi-même, à comprendre qu'on ne peut pas tout comprendre, qu'il y a plein de choses qui nous échappent, qui sont... dans les contes de Dieu. La tchouva pour moi, c'est apprendre à se reconnecter avec son moi profond et donc avec cette partie divine qui est en nous et donc avec HM. Et c'est d'une logique assez implacable, c'est ça. Et c'est là qu'on retrouve cette fameuse confiance en soi dont on parle beaucoup, parce qu'à partir du moment où on est connecté avec son moi profond et avec sa partie divine, c'est le shalom qu'on est shalom, on est entier. Voilà. Je pense que la tchouva est à portée de tous et de toutes, dans le sens que tout s'apprend, dans le sens où quand on commence à faire tchouva, on ressent quelque chose de merveilleux, une espèce d'excitation. C'est comme si on découvrait un trésor absolu. Et j'ai envie de dire, ne regardez pas ce qui vous reste à accomplir ou ce qui vous reste à faire. Le plaisir d'avancer petit à petit. Et vraiment, ça, c'est important d'y aller à son rythme, d'y aller lentement, d'être avec des gens, avec un rav qui nous correspond, qui nous parle, qui nous inspire. Parce qu'on a tous aussi des façons différentes d'avancer dans le chemin de la Torah. Et j'ai envie de dire, voilà, à un moment donné... Enfin, pour moi, c'est ça, il n'y a plus de temps à perdre. La Torah, c'est un code de vie. Des fois, on cherche des modes d'emploi partout, on essaye de plusieurs approches différentes pour l'esprit, pour le cœur, pour le corps. Et en fait, en vrai de vrai, à partir du moment où on étudie, à partir du moment où on applique les enseignements de la Torah, à partir du moment où on pratique aussi, parce que la pratique, elle est complètement corrélée avec le fait d'avancer, c'est pas l'un ou l'autre. C'est qu'à partir du moment où on rentre dans cette espèce de logique-là et qu'on étudie, on fait, on prie, on avance, on se connecte aussi les uns avec les autres, parce que cette notion d'unité, d'ardout, elle est extrêmement importante. On dit que dans le judaïsme, on est plusieurs parties d'un même corps. Donc quand on arrive à faire le lien avec tout ça, j'ai envie de dire, ça va tout seul. Et oui, il y a des choses à changer. Oui, il y a des choses auxquelles on va renoncer.
mais ça va se faire avec douceur et avec plaisir et volonté parce qu'on l'aura choisi. C'est très important de le choisir et d'aimer avancer dans ce chemin-là sans en être contraint ou obligé. On voit à quel point c'est intelligent, à quel point c'est profond, à quel point ça nous fait du bien. Parce que c'est ça au final aussi le but. C'est qu'Hachem, il nous aime tellement qu'il veut qu'on soit heureux, qu'il veut qu'on soit en paix. Et c'est pour ça qu'il nous a donné cette Torah. C'est pas pour qu'on, uniquement pour qu'on se soumette et qu'on fasse des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais c'est aussi, surtout, pour qu'on se sente heureux.